Ça parlait d'un petit garçon qui voulait voir toute la ville. Parce qu'il montait sur des écorces pour pas qu'il y ait des traces d'écorce sur des arbres et des traces de feuilles. Quand il parlait des grands arbres, il se retournait pour voir les grands arbres. C'est merveilleux, hein. Enfin, moi, j'ai fermé les yeux d'ailleurs pour pouvoir me projeter dans les forêts et tout. Bah, très intéressant, ça me fait plaisir d'écouter ça au milieu d'un tel cadre. Cette nouvelle un peu oubliée, le petit garçon qui avait envie d'espace. Et en le relisant attentivement, je me suis aperçu que la description du bocage correspondait au paysage que nous avons à Chaillol dans la vallée du Champsaur. Et je me suis dit que ce serait un super clin d'œil à faire aux Champsaurins, mais aussi aux enfants. Parce qu'un petit garçon qui est avec son papa entre les haies et les champs, et puis tout d'un coup qui découvre que l'on peut découvrir son environnement par l'imagination, c'est une belle histoire. Elle peut convenir aussi aux adultes, d'ailleurs. Fais attention de ne pas déchirer ta culotte. Sans quoi ta mère vous tirerait les oreilles. Ce qui nous a touché dans ce texte, je crois, en tout cas, on en a parlé immédiatement, c'était d'abord ce que ce texte raconte au-delà de l'histoire elle-même, de ce petit garçon qui a envie de voir son pays de plus haut. C'est aussi une métaphore de la recherche d'une autonomie et d'un espace intérieur chez l'enfant qui s'affirme comme un futur adulte. Il y a quelque chose de très beau dans la recherche de cette liberté qui est du coup libérée par le pouvoir de l'imagination. Et Giono arrive à jouer de ces deux plans qui sont admirablement en face à face, à la fois la découverte et l'aspiration et le pressentiment qu'il y a un paysage à découvrir, le paysage de son enfance, de son quotidien, et en même temps ça renvoie à cette recherche d'un paysage plus large, cet espace intérieur auquel on est tous très, très attachés, qui est un espace de liberté. Il y avait un petit garçon qui vivait dans un pays de plaine. Tous les dimanches après-midi, il allait se promener avec son père dans des chemins bordés de blé. Il est difficile de s'entendre avec un compositeur comme ça de but en blanc. Benoît Menu, qui est breton quand même, sait ce que c'est que le bocage, mais ce n'est pas tout à fait notre bocage. Et donc je leur ai proposé, avec la comédienne Cécile Bouchoir et Michael Lian, d'aller nous perdre un peu dans le bocage champsaurin, enfin perdu. Je me suis bien arrangé pour qu'ils voient tous les aspects possibles et qu'ils comprennent finalement comment on en vient à se servir l'imagination pour découvrir le bocage. Je suis venu très bien guidé et très bien accompagné. J'ai pu faire marche arrière parce que j'étais parti sans la conscience du territoire, sans la conscience de la géographie, de la nature. Et c'est le fait d'avoir bougé, d'avoir déambulé, de nous être tous promenés dans cette nature-là qui, en tout cas pour moi, a aussi libéré un peu l'écriture et m'a rendu plus proche de cette simplicité-là, tout simplement. En tout cas, c'est un travail de composition et d'interprétation qui sert le texte et qui n'est jamais dans une illustration, mais dans l'évocation d'un état ou d'un paysage intérieur ou naturel. Et je trouve ça, en ce sens, c'est assez réussi parce qu'on n'est pas dans une redondance, ce que le texte dit, la musique illustrerait, ou
n'y a rien d'appuyé, tout est extrêmement suggéré, il y a beaucoup d'espace. Et ça rejoint ce que disait Benoît précédemment sur le fait de s'être laissé gagner par les qualités intrinsèques de ce paysage, sa lumière, son ouverture. Les promenades qu'on a faites, guidées et accompagnées par Hervé, ont été vraiment propices à l'éveil à ces qualités qu'on trouve dans ce territoire et qui est finalement celui dont parle Giono à peu de choses près. C'est vrai qu'il y a plusieurs manières de pouvoir raconter cette histoire-là. Et si on était parti uniquement sur un rapport texte-musique basique, c'est-à-dire des bouts de texte, une musique qui viendrait ou bien ornementée ou bien qui serait avant le texte, on aurait eu quelque chose qui ne rend pas hommage à l'esprit de Giono. Parce que très souvent, on a des lectures, alternance de musique et de texte. Et l'idée qui a germé progressivement, c'est en fait d'avoir une multiplicité de formes et de manières de pouvoir enluminer le texte. De toute façon, c'est mieux qu'ici dessous, où on ne voit rien. Qu'est-ce que tu en dis? Tu ne veux pas? Tu ne veux pas? Ce n'est pas une mauvaise idée, ça. Par exemple, tu pourrais grimper à ce peuplier-là, jusqu'à cette grosse branche. On parle d'étoffe dans cette histoire, et là, ça, c'est comme une broderie qui a été faite avec les différentes voix, avec le piano, où on essaye d'ajuster et de rajouter les petites perles à droite et à gauche, les fils de couleur au bon endroit, les fils dorés éventuellement à certains endroits aussi. Au sommet de l'arbre, tête en bas, loin au-dessous de ses pieds, pas plus grand qu'une pointe d'épingle. Mais il ne cria pas. Au contraire, il serra les dents. En fait, l'écriture pour ce type de spectacle induit non pas d'adapter l'écriture aux enfants, mais de retirer ce qui est plus nécessaire, ce qui ne sert plus à rien. C'est-à-dire que souvent, on peut écrire des musiques qui sont enrobées de quelque chose. Et là, en fait, comme on sert d'abord un texte, qu'on crée un spectacle avec cela, c'est surtout, moi je l'ai ressenti comme ça, un travail d'épure. On parle de la musique qu'on n'a pas adaptée au jeune public, c'est le cas du texte de Giono déjà, qui dans sa poétique et dans sa densité, ne renonce à rien. L'espace était si vaste, il s'en allait si loin, il s'arrondissait si largement, qu'il en était attirant comme un aimant. Un enfant est déjà tout entier lui-même, son âme est là entièrement, et on essaye plutôt d'aller chercher par l'enfant la part d'enfance qu'il y a dans chaque adulte. C'est plutôt comme ça. Descends. Donc ça peut toucher les adultes dans leur part d'enfance, mais aussi dans cette relation entre parents et enfants. Et c'est bien aussi pour ça qu'on tient à ce que ce soit un tout public et non pas un jeune public uniquement, mais que les parents soient accompagnés des enfants, que les enfants accompagnent leurs parents pour pouvoir partager cette chose-là et faire un aller-retour de l'un à l'autre. Qu'est-ce que ça peut bien être, cette chose si importante? Je ne sais pas, moi.